Oh là là les gars, si vous saviez comme ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Oh, il s'est passé des choses. Oh là là, il s'est passé des choses. Mon ordi est décédé deux fois pendant que je tournais cette vidéo. J'ai eu un plantage de vidéo. J'ai dû recommencer. J'ai dû chercher une sauvegarde, faire des manips et tout pour retrouver une ancienne sauvegarde pour retourner avant pour pouvoir refaire cette vidéo. Bref, franchement les gars. Il s'est passé des choses. Donc on se retrouve donc pour la suite de The Witcher 3. On va faire la quête principale. Donc la cage aux fous, il faut retrouver Régis, donc notre vieux pote vampire, qui nous a donné rendez-vous dans un cimetière. Bon, ça on n'est pas censé le savoir. Mais j'ai pas pu retrouver une sauvegarde plus récente. Plus vieille en fait, plus avant que j'arrive au cimetière. Ça a sauvegardé quand je suis arrivé au cimetière. Attendez, pour vous expliquer, en fait, j'ai commencé une vidéo, à tourner cette vidéo. J'étais dans la grande ville, je voulais faire des achats et tout en vidéo. Je me suis acheté une nouvelle armure, etc. Comme ça se voit. Et comment dire? Et il s'est passé un truc. Il faut que je vous les share. Il faut que je vous le montre. Je suis désolé, mais il faut que je vous le montre. Ça. Il s'est passé ça. En fait, j'ai commencé à tourner une vidéo. Et mon ordi a planté. Il y a eu un black screen, etc. Enfin bref, c'était la cata. Et j'ai repris le jeu, je suis arrivé ici. Donc là, c'est même pas une seconde après avoir chargé le jeu. Il s'est passé ça. Je m'amusais, je voulais sauter dans les escaliers, puis j'atterris ici. Et je me dis, oh putain, on peut aller sur les toits, trop bien! Et pas du tout. Voilà, donc je suis mort en moins de 20 secondes de jeu. C'était absolument génial. Donc je l'ai cher pour pas le perdre ce moment, parce que voilà, tout simplement, c'était bien rigolo. Du coup, ensuite j'ai recommencé la vidéo. Cette fois, mon ordi a planté complètement. Mon ordi est redevenu comme dans 1995. Il y avait les vieux menus Windows, etc. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Du coup, j'ai préféré ne pas toucher mon ordi pendant quelques temps. Donc voilà. Et ensuite, j'ai recommencé la vidéo. Donc j'ai fait la mission, etc. Mais je me suis pas rendu compte que au bout de 10 minutes, ça avait complètement planté. Et du coup, j'ai enregistré une heure de vidéo pour rien. Donc voilà, il faut que je refasse. Et la vidéo précédente que j'ai fait, que vous verrez jamais, du coup, était bien rigolote. Déjà parce que les ennemis, il faut rentrer dans le cimetière, dans la crypte du cimetière. Et les ennemis sont ces putains de plantes que je déteste. Donc maintenant, j'ai compris comment on faisait pour les avoir. Hein. J'ai passé une heure sur ce combat, donc là, je connais bien ces monstres de merde. Et du coup voilà, bon c'est la galère, ça fait 2-3 jours là que j'ai pas joué, 4 même. Et du coup je vous assure que ça m'a fait chier, ça m'a fait peur. Là je sais pas si ça va marcher, est-ce que ça va bugger. Du coup vous allez souvent m'entendre peut-être tourner la tête pour voir si ça enregistre toujours. Et voilà tout simplement. Donc voilà, la première est battue, j'ai fait ça en 1 minute alors que la vidéo précédente ça avait duré au moins 5 minutes. Hein. Il faut foncer dans le temps en fait, utiliser Igni et Axie je crois pour l'éveil. Ouais je crois que c'est Axie, je suis plus sûr, mais en gros maintenant on les a dans le bestiaire, on peut les voir plus souvent. Enfin on peut voir leur point faible. Et il y en a une autre ici, ça bug apparemment. Il faut que j'aille, Ablette est là, il faut que j'aille où? Donc là, c'est la porte principale, ok. Oula, ça a toqué. Voilà, ça c'est chez Régis. C'est chez Régis, sauf qu'il n'est pas là. Et donc voilà, j'ai sauvegardé à ce moment-là en fait. D'ailleurs, je vais refaire au cas où que ça marche pas. Je vais vraiment sauvegarder. On va sauvegarder ici. Voilà. Au moins comme ça, si jamais ça bug, je saurai que je peux revenir ici quand je veux. Du coup, la crypte, voilà, c'est ici. Il faut rentrer par là. J'ai pas fait beaucoup en fait. Alors ça, voilà. Les arachnophobes, s'abstenir. Alors, il s'est passé un truc vraiment très drôle, je sais pas si ça se repassera dans cette vidéo. Il y a eu un gros bug, c'était vachement drôle. J'espère que ça. Enfin, non, ça sera moins drôle, mais en gros. Attends, je vous le dirai pour pas vous spoil.
Et eux, ils empoisonnent. Ah ouais, c'est vrai qu'ils empoisonnent. J'ai oublié que ça. Donne-moi un peu de PV, toi. Voilà, merci, merci encore. Oh, bah. Hop. Viens par là. Donne-moi un peu de PV. Attends que mon bouclier se remette. Un peu de PV, s'il te plaît. Merci, merci. Voilà, en fait, eux, ils nous intoxiquent. Et du coup, c'est la merde. Parce que quand on est intoxiqué, vous savez que... on peut mourir dans des tournois de gladiateurs quand on est intoxiqué. Oh bah je suis très moche. C'est quoi déjà? Ah, je sais qu'on a un moyen pour se désintoxiquer, mais je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est du miel. Il faut manger du miel. Réduit temporairement. Intoxication. Miel, miel. Miel blanc. Réduit l'intoxication à zéro et annule tous les effets des autres potions. Cool. On va manger ça. Hein. Ah merde. Tonnerre. Donc, hop. On peut pas utiliser directement les... Hop. Voilà, parfait. On se régénère un peu de vie. On mange une cuisse de poulet. Des œufs de Kikimor. Je dois les réduire en cendres. Voilà, bon, du coup, il y a plein d'œufs. Donc, on est en mode alien. Hein. C'est tous les œufs. Quel il en reste... Hop. Voilà, la dernière vidéo, il s'est passé exactement ça. Elle a complètement buggé. Du coup, je me suis approché, je l'ai trollé. Et d'un coup, elle m'a sauté dessus. Enfin, genre, je m'approchais d'elle et tout, je m'amusais, je faisais des blagues. Et d'un coup, elle m'a sauté dessus, mais j'ai eu la peur de ma vie. Du coup, je le referai pas. Hein. Allez vous faire foutre, carrément. Et voilà, elle a pas buggé. Oh putain, ouais, franchement, c'était... J'ai vraiment eu super peur à l'époque. Enfin, à l'époque. C'était il y a 3 jours. Voilà. Ça, j'avais oublié qu'elle faisait ça. Bon, elle est pas vraiment méchante. C'est pas dur. Elle a juste une carapace assez chiante. Mais... Ah putain, mais à chaque fois que tu... Ah, mais elle m'a réintoxiqué, c'était... Casse-toi, casse-toi. Hop. Je meurs. Oula. Ah, j'ai pas fait exprès en plus. Voilà, du gaz plus du feu, ça fait mal. Voilà, elle est morte. Bon, parfait. Voilà, donc après, je suis pas allé très loin. J'ai fait la cinématique qui arrive et c'est tout. Par contre, ouais, je vais mourir d'intoxication. Là, c'est pas cool. Alors, on va méditer une petite heure. Hein. Régis, il a pas... Régis, il a tout son temps. Hein, il est immortel. Donc, voilà, on est un peu intoxiqué. On peut boire de l'hirondelle et manger une cuisse de poulet. Du coup... Alors, il y a un truc ici. Une illusion. Hop. Voilà, ça je l'avais pas fait la dernière fois parce que je pensais que c'était la suite du jeu, mais pas du tout en fait. Épée de... Oh. Casus de Foggy. Ok. Teinture. Ah, des teintures. Oula, il y a encore un coffre. Serment de chevalier. Hein. Si j'y mets si Ramon de Guichon, sur ma tombe, vous ne trouverez point de portrait de l'homme que je fus. J'ai donné mon cœur, mon âme et mon corps à la chevalerie et je souhaite que l'on se souvienne de moi comme d'un chevalier. Le symbole de la chevalerie est une épée nue et ce symbole repose au-dessus de moi. L'épée qui a défendu mon honneur, mes amis et mon cœur. L'épée qui était... plus proche de moi qu'un frère, l'épée qui jamais n'a été tachée de sang d'un innocent, qu'elle repose sur cette pierre pour l'éternité. Ah merde. Ah ben je te l'ai pris, désolé, hein. Mais voilà, désolé. De toute façon, tu peux pas le savoir, t'es mort. Et là, il y a un fantôme qui va apparaître quand je vais sortir.
C'est possible, ce serait très The Witcher-esque. Depuis un tombeau et d'un coup le fantôme il dit hey, t'as volé mon trésor. On va voir c'est quoi cette épée, peut-être qu'elle est bien. Oula, ah oui, oula, mais j'ai pas le niveau par contre. Ah, elle est, ah, plus 5, ah, elle fait super mal. Elle est beaucoup mieux que ce que j'avais. Quoique, ouais. Elle est différente, on va dire. On la prendra, on l'essaiera. Elle est cool. Moi, c'est l'épée bleue là que je veux changer. Celle avec le manche bleu, parce que je la trouve très très moche. Et j'ai envie de la changer. C'est pour ça que la prochaine vidéo, je pense qu'on fera les quêtes pour trouver les armures secrètes là. En plus, elles sont toujours intéressantes, ces quêtes. Bref, cinématique. Et me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous? Rien ne me vient à l'esprit, désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte? Et ma vie privée? J'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Detlaff. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile? Où l'avez-vous trouvé? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. Trois des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Aucun doute, c'est la main de Detlaff. Elle fera parfaitement l'affaire. Donc du coup, comment Cette comptez-vous main, utiliser la que main? comptez-vous en faire? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kermorène. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si. Mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests. Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche? Il faut un équipement spécial? Nous devons préparer une décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonance. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus, comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Detlaff quand il a perdu sa main? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. Il y a des voisins chez moi, ils font que bouger. L'anneau, quelle est sa provenance? Très étonnant cet anneau. Fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous. Du monde où nous vivions avant la conjonction des sphères. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Il nous voyait, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains. Et les races anciennes. Le respect, vous dites? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Detlaff, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Et pourquoi on ne pourrait pas l'invoquer? Pourquoi ne pas invoquer Detlaff? Entre vampires supérieurs, il doit y avoir un moyen. En toute honnêteté,
C'est en effet une solution. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il faut la garder comme dernier ressort. Tout dernier. Dernier ressort? Pourquoi ça? Un être est en mesure d'invoquer Detlaf. Il possède l'autorité et même le pouvoir pour le forcer à apparaître où il le souhaite. Cependant, contacter cet être reviendrait à marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre rempli de lave en fusion. Cet exercice serait aussi périlleux pour moi que pour vous, et je ne m'y risquerais pas. Faisons à ma façon, ce sera plus simple et plus rapide. Je vous expliquerai pourquoi j'ai rigolé, mais c'est pas par rapport à ça. Mais c'est rigolo. Darius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie. Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet, outre les tissus de Detlaf, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital. En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions. J'ai bien quelques ingrédients en tête, manque de bol, ils sont tous rarissimes. Il y a les glandes de fée Mamoun, mais les plus proches vivent à Vizima. La salive de nécrophage tachetée. L'espèce est éteinte depuis plus d'un siècle. Des yeux de cobalt à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en énucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. Ouais, de l'aide. Et je me suis arrêté là parce que ça a bugué. Donc voilà, à partir de maintenant, je ne connais plus, donc j'arrête de regarder mon téléphone et je suis l'aventure avec vous. J'ai remis le micro, moi. Ouais. Ça marche. Parfait. Oula, il demande de l'aide à Itachi Uchiwa. Oula, oui. Il y a Itachi qui va arriver. C'est quoi ça? Un ninja. Très commun sous cette latitude et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire. Calme-toi, par contre. Le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment à revenir. Une tournée de Mandragore? J'ai besoin d'un somme. Donc on va dormir en attendant les corbeaux, c'est ça? Ah, peut-être qu'il va me tuer dans mon sommeil. Non. Non, je rigole, c'est pas possible. Quoique. Mais peut-être qu'ils vont parler si on... Ils vont parler, c'est ça. Refusera-moi un coup à boire. Hélas, je n'ai qu'une pauvre infusion en lieu et place de vrai distillat. Tant mieux. Je me rappelle votre gnôle de Mandragore. Elle fait dire aux gens ce qu'ils aimeraient garder pour eux. Que diable Geralt de Rive pourrait-il préférer taire? Vous comprenez de travers, je refuse de me livrer. C'est un piège pour me faire confesser quelque chose. J'ai mon lot de secrets. Alors, on a tendu son petit piège. Désolé, pour m'obliger à passer à table, il va falloir trouver autre chose. J'adore les défis. Je suis tout ouïe. Que faire pour que vous parliez? Pourquoi ne pas commencer par me dévoiler l'un de vos secrets? Les vampires ont une vie trépidante. Ça ne doit pas manquer. Un centre d'intérêt spécifique? Oula! Ah, c'est vrai que j'ai lu ça, c'est qu'il voulait pas... Que c'est un vampire qui ne veut pas manger, boire de sang. Quel effet ça fait d'être mort? Il faut que je vous pose la question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il après la mort? Votre question porte sur la croyance humaine concernant les dieux. Je ne puis répondre. Les vampires diffèrent énormément de vous. Notre existence peut se passer d'incarnation. Nous n'avons pas besoin de cœur, de cerveau ou d'air à respirer. Mais vous étiez bien mort. Au sens humain du terme, je dirais oui. Que ressentiez-vous alors? C'est difficile à expliquer. Quelque chose de très troublant. D'impossible à décrire, car
Je n'y ai pas réfléchi. Il a fallu que je renaisse pour réaliser ce que j'avais ressenti. C'était une peur froide, inimaginable. Sans Detlaf, j'aurais pu me noyer dans une éternité d'effroi glacé. Vous ne deviez pas être en vie alors. Une expérience pareille doit être atroce. Oui, effectivement. Il n'y a rien de comparable. Mais vous savez que nous ne voyons pas la mort comme vous. Votre façon de vous accrocher à la vie est très particulière. Vous êtes mortel, et de ce fait, la mort est pour vous chose inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Je me demande donc souvent pourquoi vous vous obstinez autant. Mourir à 20, 40 ou 100 ans, quelle différence cela fait-il? Cela représente toujours si peu de temps. Ça dépend du point de vue. Un homme riche à millions ne peut pas comprendre quelqu'un qui n'a que 20 couronnes en poche. C'est vrai. Ça peut changer toute votre conception des choses. Ouais. D'ailleurs, moi, j'aimerais pas être immortel. Alors ça, j'aimerais vraiment pas être immortel. Nouvelle vie, nouveau corps, synonyme de nouveau départ, d'ardoise vierge. Le renouveau est un concept assez vague. Qu'entendez-vous au juste? L'appel du sang, par exemple. Je me demande si votre corps s'en souvient. En boire aujourd'hui ne vous ferait peut-être pas replonger. Toute addiction est une forme d'esclavage. Je ne courrais pas le risque dans l'unique but d'éprouver une hypothèse sur la mémoire physiologique post-régénération. Je m'étonne. C'était simplement par curiosité. C'est vrai que... Ce n'est rien, Gérald. La curiosité est une réaction naturelle dans ces circonstances. D'ailleurs, j'ai toujours apprécié ce trait de votre personnalité. Régénérer, c'est comment? Ouais. Où êtes-vous allé? Racontez-moi votre existence post-renaissance. Il va sans dire peut-être apprendre le truc sur des plafs. Le premier temps à me remettre d'aplomb. Je n'ai d'ailleurs pas totalement recouvré mes forces. La première année, j'étais si faible qu'il m'était impossible de me lever ou de me déplacer. Detlaf a supporté mon état avec une bravoure, une patience infinie. Sans lui, je ne serais pas ici. Ma régénération aurait été beaucoup plus lente. Sitôt apte à tenir debout, je suis parti pour Brugge et ma bien-aimée Dillingen. Sur place, j'ai mené la vie paisible d'un médecin et chirurgien de campagne. Respecté par mes voisins, je suis devenu l'exact opposé du monstrueux vampire de l'imaginaire collectif. À Brugge, votre renaissance ne vous rendrait pas sentimental? Peut-être un peu. Mais parlons de vous. Où étiez-vous passé? Avez-vous retrouvé Cyrilla? Oui, mais nos chemins se sont à nouveau séparés. Elle est revenue quand il le fallait. Et nous avons vaincu la chasse sauvage ensemble. Il parle du jeu, là. Du jeu normal. On dirait que j'ai raté pas mal de choses durant mon absence. Ah, je te le fais pas dire. Nous discuterons de tout ça une autre fois. J'ai besoin d'en savoir plus sur vous. Est-ce qu'il connaît Vesemir? Ben oui, normalement, il connaît Vesemir. Vesemir, c'est le... maître. Je sais pas si c'est son maître, mais en gros, il est plus vieux que... Enfin, Vesemir est plus vieux que Geralt. Et en gros, c'est son compagnon, quoi. Régénérer, c'est j'ai toujours été fasciné par la régénération des vampires. Une main qui repousse, d'accord, mais Detlaf vous a recréé à partir d'une flaque. Étonnant. Le processus est long et difficile, mais il n'a rien d'impossible. Ma présence le prouve. Mais j'ai ouï dire que vous avez vécu une sacrée aventure. Vous avez perdu la mémoire, paraît-il. Brièvement, oui. Mais Triss m'a aidé à la retrouver. J'ai de la chance de n'avoir souffert que d'amnésie, en fait. Oui, les humains sont d'une nature si fragile. Vous ôtez la vie d'une telle facilité. J'ai toujours eu de la peine pour vous à cause de ça. Nous autres vampires sommes bien plus coriaces. Si un membre d'une autre race tue l'un des nôtres, il peut renaître avec l'aide d'un autre vampire supérieur. Si en revanche, c'est l'un des nôtres qui porte le coup fatal, la mort est définitive, sans renaissance possible. Voilà pourquoi les vampires décidèrent il y a bien longtemps de ne jamais s'affronter. Ok, intéressant. Intéressant. On va continuer la conversation parce que c'est intéressant. Très bien. Je trouve. À vous de poser une question.
Que voulez-vous savoir ? Ah, voilà, vraiment une question à poser à quelqu'un d'aussi fascinant que vous, Gérald. Cruel dilemme. Eh bien, je vais tâcher de faire de mon mieux. Si vous deviez mourir et renaître comme je l'ai fait, choisiriez-vous d'être à nouveau sorceleur ? Ah. C'est compliqué comme question. Parce que sorceleur, t'es quand même considéré comme un paria, t'es obligé de te... Enfin, non, t'es pas obligé, justement. Mais en gros, pour vivre, il faut que tu aides des gens qui ne t'apprécient pas. T'es obligé de te battre, de vivre sur la route, etc. C'est compliqué. Mais franchement, je pense que Gérald, ça lui plaît. J'ai pas lu les romans, donc je sais... Franchement, il faudrait que je lise les romans parce que je connais pas trop la physiologie de Gérald. Mais vu qu'on joue roleplay, on va dire que c'est moi qui choisis. Mais moi, ouais, ça me... enfin, c'est compliqué, mais ça plaît. Enfin, ça me plaît de jouer un sorceleur, quoi. Si on jouait un bûcheron, ça me plairait pas, quoi. J'aurais dit non. Mais... Voyons, Régis. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Aussi, c'est... Avez-vous déjà essayé ? Vous y tenez à votre réponse. À savoir si j'aime être sorceleur. En tournant autour du pot, comme toujours. J'aime être sur la voie. Suivre une piste, un indice. J'aime la tension d'avant-combat. Rien ne me met plus en transe que d'affronter un monstre. Et je suis habitué à me faire traiter de sale mutant, à vivre en paria. Exactement ce que je disais. Ouais. Je n'y songe jamais, mais j'aime la vie que je mène. Merci pour votre sincérité. C'est l'apanage des vrais braves. Et de ce fait, un privilège fort rare. Toujours aucun signe de votre ami à plume. Vous êtes sûr qu'il a bien assimilé le message ? Sûr et certain. Patientons un peu. Il ne tardera pas, n'en doutez pas une seconde. Ouais. Tous les citoyens du monde me détestent, ils me rejettent et tout, mais j'adore ma vie. Ah, c'est vrai. C'est une bonne réponse. Ah, Itachi est revenu. Il va nous dire quoi faire pour... Vous ne dormez que d'un œil, un peu comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes ? C'est ce qu'il est, l'épreuve qui les fait devenir sorceleurs. L'épreuve des herbes. Merci du compliment, pas ma connaissance. Ouais. Le compliment me va droit au cœur. Du nouveau ? Vous aviez vu juste. Ni Kobold, ni Fée Mamoun a des lieux à la ronde. J'en étais sûr. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont aussi le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance. Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Oula ! Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis au nécrophage d'y couler des jours paisibles. Ah. Que savez-vous sur cette malédiction ? Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment. Rien de plus. Allons. Fouillez votre mémoire. Le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim. Ou... avec l'avidité, la rapacité. Quelqu'un a été puni de quelque chose. Okay. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Gérald. J'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête ? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas ? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage, impérativement.
Que savez-vous d'autre sur ce nécrophage? Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir? Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plume a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents, et dotés de facultés d'observation hors du commun. Et qu'ont-ils observé, au juste? Les environs du domaine sont jonchés de... De cuillères. Le sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il? À moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction. Oh, ça me rappelle un conte de fées, non? Y a pas un conte de fées sur un champ de cuillères et tout? D'accord. Attendez. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elle devrait faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très bien. À plus tard. Oui, à plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages? Croyez que vous alliez préparer la décoction. Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer, hélas. J'espère découvrir une alternative adéquate. D'accord. Bonne chance. Non, ben non, demande-y ce que c'est. Demande-y ce que c'est, sinon, si c'est vraiment impossible et que tu le sais, t'as pas besoin d'aller tuer le nécrophage. Oh là là. Facultatif, lisez le bestiaire, ok. Ok, bon, ben, on a fini cette cinématique. Je vais arrêter là. Pour voir si tout va bien niveau son, etc. Ouais, pour voir si tout va bien niveau son et tout le tintouin. Oh! Un plateau en or, très bien. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Je pense qu'on va faire la quête principale et annexe. Parce que... C'est où? Attendez, c'est où? Ouais, voilà, bah, de toute façon, ok, je m'en doutais que ce serait par là. Moi, il faut que j'aille là, pour une armure de loup. Donc, je pense qu'on va faire... On va aller dans... On va visiter cette petite ville, là, ce petit village. On va remonter par là. On va aller voir par là, ici, par là, il y a une armure, là, une armure légendaire. Et on redescendra pour chercher le nécrophage au manoir, machin truc, là. Ok, je pense que ce sera bon. Et, oula. Et tout simplement, voilà. Bah, à la prochaine. Et ah oui, attendez, j'ai rigolé parce que, genre, pendant que je... La cinématique... Enfin, à la prochaine, si vous voulez pas entendre l'histoire que je vais vous raconter. Prochaine vidéo. Mais pour ceux qui veulent entendre, en gros, pendant que la cinématique, je regardais mon téléphone. Et j'ai téléchargé Candy Crush. Bon, je sais, c'est pas très... Voilà. Mais je me fais chier en ce moment en m'endormant, donc j'arrive pas à m'endormir. Du coup, je vais jouer à Candy Crush, ça m'endormira. Et putain, ça fait au moins 4 ans que je l'ai pas réinstallé. Et j'ai regardé les commentaires sur le Google Play Store et il y a un mec qui a dit « Putain, c'est un jeu de merde, comment enfin, je suis bloqué au niveau 2100 et quelques, quel jeu de merde, pourquoi les gens y jouent ?» Alors que le mec il est au niveau 2100, moi j'ai joué pendant 3 ans non-stop et je suis arrivé au niveau 800. Lui il est au niveau 2000 et quelques, il dit que c'est un jeu de merde et il comprend pas pourquoi les gens y jouent. Oh putain, bref, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Bref, sur ce, bah... Ah, je vais tenter un truc, place. À la prochaine! Non, pas du tout. Ok, je voulais cramer la caméra, mais... Ok, ça va pas marcher. Bref, ciao!